We are good to go. Thank you. Chers frères et sœurs, chers amis de partout, bonsoir. Ce soir, nous trouvons grâce aux yeux de Dieu parce qu'il nous a permis de réunir une fois de plus pour l'adorer. L'œuvre de Dieu est en action. Hommes et femmes, jeunes et vieux, de toute nation, de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, sont mobilisés pour répondre au grand mandat évangélique confié par notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père, à travers Jésus, son Fils bien-aimé, qui nous a fait des dons ineffables pour accomplir cette de grandes tâches. L'Église Emmaüs Morija ne reste pas silencieuse à cette tâche. Et c'est la raison pour laquelle, soir après soir, nous sommes réunis ensemble pour psalmodier, pour chanter, pour louer, pour bénir le nom du Seigneur. Par ces mots, la direction de ces deux églises, Emmaüs, Morija, des conseils avec le staff siégeant, vous souhaite la plus cordiale des bienvenues parmi nous ce soir. Nous espérons que le Seigneur manifeste sa puissance, sa présence au milieu de nous et que le moment que nous allons passer ensemble soit des moments profitables et agréables à tous égards. Une fois de plus, bienvenue et bonne audition à chacun de vous. Pour débuter avec le programme de ce soir, nous allons chanter ensemble au numéro 292, sous la direction de Elder François. Nous chanterons ensemble au numéro 292. Okay. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la veille, de toi descend la paix. En toi, joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin mortel, ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle et aimant toujours tes lois. Dans ma tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne un retour. Je veux, dans ta lumière, marcher de cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans l'air aux cieux. C'est là qu'est ma patrie, Amen. Amen. Jésus, mon espérance. Jésus, mon seul trésor.
Nous enchaînons avec le psaume 117. La côte hier, sous un bibou ensemble avec vous. Vous capable suivre avec nous au psaume 117. Louez l'Éternel. Appelez-vous et puis vous-même, on va suivre. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tout le peuple, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Let us pray together. On prie ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, ce soir encore, une fois de plus, tes enfants réunissent à tes pieds, à la recherche de ta face bénie, de ton amour, de ta miséricorde, de tes grâces. Nous venons avec tous nos fardeaux, toutes peines, nous voulons déposer à tes pieds. Parce que c'est au même qui fait nous cet appel à savoir que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce soir, nous vraiment fatigués. Ce soir, nous vraiment chargés. Et chaque jour, trop lourd pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous venons dans Pio pour nous déposer chaque saillot afin qu'il soit capable de prendre nous léger. Nous bénissons parce que c'est Dieu. On fait ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous bénissons parce que c'est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Avant, pas gagné et après, pas jamais gagné. Par contre, Dieu qui semblait à eux-mêmes, on fait sauver, l'ouvrir, pas gagné monde qui a posé une question. Ou à souhait en observant un Dieu qui est très puissant, Almighty God. Et un Dieu qui révèle les en temps et hors de temps à ses enfants. Pour ce soir, plaise à toi, Seigneur, non seulement que ton nom soit béni, loué, exalté, mais que ta présence se manifeste au milieu de nous. Parce que sans ta présence, notre présence ici, sur cette plateforme, est vaine. Et c'est la raison pour laquelle, tout au début, nous voulons réclamer ta présence afin que tu nous accompagnes dans tout ce qui va être fait et dit. Et à l'issue de ce service, non seulement nous va glorifier, mais nous sommes capables de recevoir des bénédictions en abondance. Nous lever l'église Moïse à devant, nous l'église Emmaüs devant, nous lever les membres de chaque église à devant. Nous levons devant aussi nos amis, nos chers amis qui sont avec nous, nos amis de partout qui sont avec nous, sur cette plateforme, des concerts avec nous, Seigneur. Vous voulez adorer, vous voulez louer, vous voulez bonne gloire. Nous remercions pour les heures de la journée. Nous remercions pour la vie, le mouvement, la respiration. Et nous demandons pardon pour nos péchés, nos plus grands péchés, demandons pour étirer de nous tout ce qui n'est pas de toi, faire le vide en nous et faire nous sentir ta présence dans notre vie. Nous voulons remettre entre tes mains le service de ce soir, d'effacer entièrement notre petitesse, permet que le Saint-Esprit capable à l'œuvre et tout ce qui va être fait est dit capable de glorifier nous. Nous disons merci pour cette journée qui est aménagée pour nous. Nous disons merci pour le souffle de vie et nous disons que nom soit loué. Père, pardonne, exauce, délivre, sauve et fais-nous grâce. Si nous prions
c'est pas que nous en ayons aucun mérite, mais ce sera pour ta gloire, à travers le sacrifice de Jésus, le même qui t'est mort et qui est ressuscité, à lui-même seul et à son nom mérité. Toute gloire, honneur, magnificence à jamais et au siècle des siècles. Amen. 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 Qu'il fait beau d'être en présence de notre Dieu. N'abservi un grand Dieu, Emmaüs Morija. Il y a un Dieu tout-puissant. Il y a un Dieu qui peut tout faire. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois nous nous présentons par devant le grand Dieu, nous le sentons joyeux, rempli d'allégresse, content. Et c'est ainsi que nous allons enchaîner avec le numéro 284, notre arrivée tout près des dieux. Nous chanterons les deux strophes du numéro 284 avec l'ancien François. Bonne audition. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, oh, je n'aspire comme immolée, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Merci bien, Elder James. Nous apprécions ça. Maintenant, nous sommes arrivés à l'heure des annonces. Nous allons aimer partager quelques annonces ensemble avec vous. Juste, nous sommes arrivés à la fin de cette année. L'année 2020, d'ici peu, va tirer à sa fin. Et cette année inoubliable qui a fait couler pas mal de larmes, de terreur, de tristesse, d'angoisse. Et dans quelques jours, va tirer à sa fin. Et jusqu'ici, non, qu'à crier, Ebenezer, au sein d'Emmaüs, de Morija, Dieu nous a fait grâce. Il nous prend plaisir pour nous capables de bénir, louer son grand et saint nom, pour son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa patience, spécialement sa clémence envers nous. Parce qu'en qualité de pécheur, nous avons mouru, mais Jésus nous a fait grâce, nous bénissons pour ça. Nous faisons connaître que la réunion et que nous gagnons chaque soir, la poursuivre à 8 heures, chaque soir nous serons ici, et cette fois-ci, c'est avec les anciens, nous allons gagner. Il y a un ancien qui va pas de parole là de Dieu soit après soir. Nous voulons rappeler avec les membres d'église de Morija, d'Emmaüs, le coin de prière que nous avons chaque midi, lié encore vivant. Nous invitons tout le monde, sous pas le travail, sous pas le bail qui extra. Soyez des nôtres chaque midi pour un moment de prière. Il est vraiment intéressant lorsque deux ou trois s'assemblent, s'accordent dans le nom du Seigneur pour demander quelque chose, eh bien, non sûr, certains,
nous avons plus de chances pour nous recevoir. C'est pourquoi non seulement nous inviter, non, mais aussi nous inviter vos amis. Eh bien, venez ensemble et que nous sommes capables de prier, ben, bon Dieu, gloire à lui-même, seul mérité. Et nous avons demandé pour nous prier aussi pour les membres d'église. Il y a une prière pour l'autre. Nous vivons un temps qui est vraiment difficile. Prions, priez pas, mais l'ensemble a plus de force. Et demandez bon Dieu, nous avons plus de foi, plus de sénérité, de façon à être capables de surmonter les difficultés de cette vie. Sans la foi, eh bien, nous sommes capables de faillir à notre tâche. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prier pour que Dieu augmente notre foi de façon que nous sommes capables de triompher. Et ensuite, nous voulons faire connaître que et Sabbath School, nous avons les leçons de l'école du sabbat et pour tout le monde. Et si vous avez une copie, vous êtes capable de contacter et votre serviteur. Mon numéro de téléphone, c'est 561-317-96-63. Et nous avons besoin de copie. Comme nous avons dit auparavant, même l'offre online, mais laissez-vous bien questionner au lit texte, au soulier, au paragraphe. Eh bien, on a quelques plus bien dans la mémoire, dans la tête. Sinon, nous encourager nous tous pour nous capables de gagner une copie de l'école du sabbat. En gros, c'est tout à notre santé pour nous. Si il y a d'autres, nous allons faire nous parler ça là-dessus. Mais maintenant, nous allons passer avec le coin de santé avec notre bien-aimée sœur Marilyn Léger. Bonsoir. Bonsoir, c'est Marilyn. Bonsoir, frère ancien Eugène. Bonsoir à tout le monde qui est sous panel là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous les amis qui ont écouté nous déjà, qui ont déjà branché sous plateforme YouTube là, qui ont suivi en réunion de prière là, soir après soir. Nous comptons pour nous avoir encore une fois à ce et dans la rubrique remède qui est dans la cuisine, nous sommes capables d'utiliser pendant la période cold and flu. Nous allons continuer ce soir avec thyme, en anglais, thym, que nous-mêmes nous connaissons, nous utilisons thym. Donc, thym, c'est une petite plante qui est tout petit, qui a une petite feuille, mais petite plante ça. Les gagnants ont propriétés antiseptiques et antibactériales qui vraiment vraiment fortes. Donc, qui organe dans le corps qui est affecté lorsqu'on boit un bon tasté thym? Lorsqu'on boit un bon tasté thym, il affecte l'utérus, il affecte l'intestin, il affecte le système gastro-intestinal là en général, li affecte système respiratoire là, li affecte as well système nerveux parce que thym li calme aussi. Qui moun ki pa konnen thym? C'est ça Dioscoride déclaré entre 40 à 90 ans avant Jésus-Christ. Dioscoride te déclaré qui moun ki pa konn thym. Thym li capable en yon douleur ko gen nan gorge et li capable allévier as well tout système respiratoire. C'est une plante qui dans plamen, j'allais dire dans plamen, il est facile pour joindre. C'est une plante qui presque dans chaque foyer sous passé ou besoin thym. Ko joine ni fraîche, ko joine ni dry, mais c'est une plante qui presque dans tout household. Parce que li gagne un healing et capacité et c'est peut-être ça qu'il a utilisé depuis des centaines d'années à cause de capacité pour capable heal. Que c'est gorge, que c'est système respiratoire là, que c'est intestin, thym gen capacité pour capable guérir. C'est ça, yo même relé de whooping cough herb. Elle dit, li bon pour gonsté de grippe qu'on gagne de tous ou prend
toute qualité si vous sous la terre, il va pas passer tout cela. Mais on prend bonté, strong cup of en tasse de thé, tain. Bon, li apé, m'a dit couper le royaume, oui, non, mais la bonne solution avec whooping cough. OK. C'est li tellement gain possibilité pour le capable agir sous système respiratoire là et sous track la net que yo fait nous connaître et chanteur yo moun ki pral chanter yo singers yo avant même yo monter scène pour yo chanter yo boit un tasté pour capable supporter corde vocale yo yon l'autre bagaille que t'en gain là-dedans li fight infection que le té viral que le té bactérial li capable fight infection nous utiliser la pile dans cuisine nous fraîche ou bien sèche pour nous mettre le dans manger et yo même dit c'est pas pour mettre le bouilli en dans manger non c'est le manger a presque fini c'est là ça pour mettre teint là-dedans pour capable jeune propriété qui en dans teint. Donc, yon utilise la pile nan manje. Yon l'autre bagay que te yon gen ladan, c'est que li gen yon propriété vermifuge. Yon propriété vermifuge, c'est le que lo bwe et te a ou bien sous forme ko bwe lan, li gen capacité pour l'expel, pour le retirer mette de yon parasite qui nan kor. Ça vle dis tout. Et sous gagner parasite cap nuyon ça nous connait les vers. OK, so terre gain capacité pour mettre parasite ça au dehors et on l'autre bagaille que terre fait tout li sous bon petit monde petit un bébé qui agité parce que ou pas je me connais pas quel parasite cap nuyon petit bébé a et li gon propriété n'attend ni vermifuge là et li ca mettre expel parasite là mais li calmant tout avait dit ou capable bay ti bébé en boire un petit thé teint very light et puis l'a calmer l'a fait dormir prendre et si c'est un parasite ton bagage qui t'a pnué dans intestin et puis ou après 2-3 temps li ti moun aller ou changer diaper et puis tout bagage passé donc ça sont l'autre et puis encore qui dans cabinet nous qui dans tout store dans tout grocery store ça veut dire nous te qu'on a utilisé pour faire manger nous senti bon mais qu'on y a on a utilisé pour guérir gorge nous intestin nous et on a utilisé pour rassouplir système respiratoire nous gorge nous pour nous même qui pour nous capable de gagner un code vocal qui puisse strong donc encore une fois pour nous conclure nous toujours dit bon Dieu met tes plantes à disposition nous pour santé nous on nous fait use de yo. Heureusement ça yo nous ka joine yo à notre portée dans cabinet nous en nous utiliser yo avec un esprit de guérison et bon Dieu lui-même l'a fait reste là. C'est ça nous te porter pour asseoir dans coin santé a. Nous ba nous rendez-vous demain soir pour un autre plante qui guérit. Thank you so very much Sister Maylene les conseils de santé qui ont apporté aux deux églises et avec nos amis qui sont avec nous sur cette plateforme. Nous avons beaucoup appris ce soir en ce qui a trait et nous croyons que bon Dieu, papa, qui va bénir. Merci bien. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous devons adorer Dieu avec notre âme, nos pensées, avec tout ça qu'il fait dans nos dents. Et comme nous entendons, moi-même, on a besoin d'aimer qu'on chante. On va commencer pour être titre thème là, pour nettoyer gorge, pour faire louange pour bon Dieu. On me souhaite notre tout, on a fait ça tout, parce que vie vraiment fait belle lorsque on a besoin bon Dieu gloire pour ses refaits et pour son amour, pour ses grâces. Et ce soir, en signe de reconnaissance et de gratitude, nous allons unir nos voix aux voix des anges. Pour nous capables de louer bon Dieu à soi, sous la direction de l'ancien François. À vous tous, bonne audition. Et après, et c'est l'orange, nous va bien prier intercession, donc qui va faire par le pasteur de l'église, pasteur Jesse.
Jérusalem, cité de Dieu, grand pourrais-je flasher ton seuil et recevoir de ton Seigneur, de ton Sauveur, un don d'accueil, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'un pur étincelant. Autour des gloires, au grand triomphant, être avec Christ, au saint espoir, le contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir, où moi pécheur, rien de meilleur, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais, dans pur étincelant, pour tout dit gloire, au grand roi triomphant. La terre tremblée, roche la terre roulée, tout soldat, tes bras tremblés, yeux saisis. Anges l'en descendent, entrez dans ton tombeau. N'a point force qui te caquembe Jésus. N'a point force qui te caquembe Jésus. N'a ton beau roi. N'a point force qui te caquembe Jésus. Lui-même c'est résurrection et la vie. Dimanche matin, mesdames, yo te couré. Où y a loin, si ça te dit, ah, c'est vrai. Sage l'a te dit, ou pas besoin chercher. N'a point force, qui te capquembe Jésus. N'a point force, qui te capquembe Jésus. N'a ton beau roi. N'a point force, qui te capquembe Jésus. Lui-même c'est résurrection et la vie. Honoré puissance, nom Jésus, toutes anges doués face à terre. Ô t'es fini, couronne puissante, et couronne les seigneurs. Ô t'es fini, couronne puissante, et couronne les seigneurs. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. C'est pour tout le monde, dans chaque nation, qui rite sous la terre. Palis l'honneur, comme pégan chef, et couronne les seigneurs. Palis l'honneur, comme pégan chef, et couronne Seigneur. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Louange pour Seigneur. Chantez, yon chante tout neuf pour Seigneur. Fait louange li nan mitan tout monde kap servi yo la yo réuni. C'est pour nous danser pour faire louange li. C'est pour nous battre tambour, c'est pour nous jouer guitare pour li. Seigneur prend plaisir nan peuple ya. Li fait belle bagaille pour malheureux yo, li délivré yo. C'est pour peuple bon Dieu a fait quel content parce que yo gagné bataille là. Louange Seigneur.
yon esprit de prière, nou pral chante chanson sa ki di, si jodi am vivan, se grâce a Seigneur. Si jodi am vivan, se grâce a ou, san ou Seigneur, mwen pa Jodi am vivant, se grâce ou, sans ou Seigneur, mwen pa rien, m'a pleuvé même en l'air, m'a pleuvé même en l'air, ou m'a doré, mettre à genoux. Nan piye ou pou m'prosterne, ki te vwa mwen rive devan trounou, vene tabli wanyomou, ki te vwa mwen rive devan Chante, grâce à vous, Seigneur, pas rien. Si la vie me protège, c'est grâce à sang qui t'est coulé au bas la vie. Pleuvé même en l'air pour m'adorer, mettre à genoux la pierre pour me prosterner, qui te voit moi vivre devant toi, nous et l'établi. Vois-moi vivre devant toi, nous, l'inétable royaume. Quittez-moi vivre devant toi, nous, l'inétable. Amen. Amen, amen, amen. Nous dit bon Dieu un grand merci moment arrivé pour nous capables passer dans un moment de prière, intercession. Nous avons demandé pour capable prendre une position appropriée. Ce soir, moi pas gagné l'islam avec parce que moi gagné laptop moi qui était en l'autre côté, mais on a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capables récupérer ça. À nous courber tête nous pour nous prier. Papa nous qui dans ciel là, nous venons pour une bonne gloire, honneur que vous même seul méritez. Nous dit ensemble à somme non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Nous crier ensemble avec somme dans Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous comptons, Seigneur, pour grâce ou qui manifestait envers nous, pauvres pécheurs, nous-mêmes qui pas mérité grâce que nous joignent, miséricorde que nous joignent.
Nous pas ta doué joui bagay sa yo. Mais chaque jour, ou fait preuve de bonté, ou montrer nous qui gens ou bon, qui gens ou son bon Dieu qui gagne tendresse et compassion. En pile monde douté de bonté, ou en pile monde douté de compassion, les yo ouais mal qui gagne dans le monde là. Mais nous-mêmes, nous ouais que malgré péché, malgré le mal, malgré souffrance, nous jouis de force et de courage que ou bail. Et ça fait nous content en pile tendre père. N'apmando, pardon d'abord pour péché nous, pour manquement nous, pour ça que nous faisons en face au tendre père qui pas bon. Péché que nous commettons, que ou révélé à nous-mêmes. Et nous venons pour nous confesser, pour nous capables de dire, Seigneur, même gens avec vous, que l'est pas bon. Et nous venons avec cette promesse qui nous donne l'assurance, si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour le pardonner nous, et non seulement ça, pour le purifier nous de toute iniquité. Nous disons merci pour Jésus, que vous t'es bail, qui mourit pour nous, afin que nous capables gagner chance pour n'approcher et même gagner la vie éternelle. Nous disons merci pour chaque membre, chaque auditeur ou bien interne et monde qui sont internet là qui a suivi ensemble avec nous cap tendez. Nous disons merci pour yo pour famille yo, chaque monde qui représente nos façons ou en l'autre Seigneur. Nous disons et que bénédiction capable tomber sur yo en abondance pendant yon année qui portait en pile mauvaise nouvelle, en pile difficulté, nous capables de faire confiance que malgré tout bagaille ça yo, nous pas subi ça, nous sommes capables de dire qu'ils ont défaite, mais ou assurer nous une victoire totale capitale. Merci bon papa, parce que vous couvrez nous en bas grâce. Nous venons devant avec tout ça qui pi gros passé nous. Nous venons avec cas COVID-19. Nous venons avec situation pas de travail. Nous venons avec situation timoun qui tombe dans trouble et dans difficulté. Nous venons avec situation côté que Seigneur nous pas capable avec ça qui a passé dans relation. Nous venons avec situation ça yo qui censé dépasser nous, mais nous connaissons pas pire au passé ou pas pire gros passé parce que ou gouverner tout univers là et pas gagné que ou pas capable faire. Nous disons merci bon papa et pour grâce à que à souhait problème nous yo ab joindre réponse, yo ab joindre un résultat parce que nous connaissons que Seigneur nous servant, li capable répondre à tout besoin. Nous mandons pour intervenir dans la vie chaque petit yo, tout sac malade yo, tout sac sans travail yo, tout sac qui sans défense yo, tout sac qui sentit que yo abandonné yo, tout sac qui déprimé yo, tout sac qui sans joie yo. Nous mandons pour aller bon côté, pour répondre à besoin yo, et pour capable faire briller lumière sous yo, faire briller face sous yo, et que bénédiction capable descendre en abondance sous yo. Nous mandons au Seigneur pour capable prendre soin petit garçon, Dr. Johnson César, pour capable prendre soin petit garçon et Pasteur Jocelyn Bélisère, pour capable prendre soin Wolby Philogène et toute l'autre staff Sinaï. Nous lever devant, c'est Edith Pierre, nous lever devant au tendre Père, c'est Santia, c'est Admiatrice, et nous lever devant au tendre Père, et Farah Mondélus, nous lever devant au bon papa, Verna Estimé. Nous lever devant, petit garçon, les Jeff estimés, nous lever devant, toute et famille estimée, à nous demander grâce, pitié pour eux. La famille Paul, nous lever au devant, nous lever devant, famille Louis-Pierre, nous lever devant, famille Délicence, nous lever devant, famille François, nous lever devant, mon papa et famille Raymond Léger, nous lever devant, toute famille Léger, et Raymond et toute famille Léger. Nous lever devant, bon papa, et
Sœur Fillette d'Orséus, Katia Devaïs, nous les bénévons, Simone, nous les bénévons, Niva Abel, ensemble avec Tanisha Abel, nous demandons pour bénir Niva Abel avec bonne santé. Nous les bénévons, Lamitane, nous les bénévons, Tendre Paix, toute petite ouyo de Morija et Emmaüs, toutes amies nous qui sont sur Internet, Margaret Louis Jeune, ensemble avec Hutchinson, nous les Benoni Salomon, nous lever Gabriel, nous lever Dave, nous lever devant Exilia Louis Jeune, nous lever toute petite ouyo Seigneur qui a besoin dans moment ça, qui a besoin et pour intervenir, pour prendre contrôle, sans oublier petit garçon Grady ou qu'on est ni dans tout ça que lié, nous mando pour capable diriger pal, pour capable tant de prières pour instruire et pour montrer les qui ça pour le faire, bon papa. Tant d'écrits nous à souhait, à exaucer prières, nous tendre Père, sans oublier celui qui aura à nous parler ce soir. N'a demandé au Seigneur que vous êtes capable de parler par lui-même et que voix nous tendez en ces voix qui a utilisé le comme un vaisseau. Et fait que, Seigneur, petit garçon capable de parler sans crainte et sans altération et que parole est capable de prendre et contrôle de lui-même et est capable de toucher cœur de l'autre monde. Et à cause de Saint-Esprit, aux paroles, ça va gagner puissance au nom de Jésus. Capable, que vous capable un guide sur pour lui, que vous capable contrôler la ville et la vie familiale, bénisse ce Ginette ainsi que petit yo. Et n'a demandé au tendre Père pour lui capable toujours rester fidèle à vous-même et à ta parole. Exaucez prière nous du haut des cieux et fais-nous grâce à s'il vous plaît. Nous pas prions parce que nous bon, parce que nous dignes, mais nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne et qui demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Service nous à poursuivre avec le numéro 520 et notre chantem. Mais ce soir, nous bénissons le nom de Dieu pour le privilège qui est nôtre pour nous accueillir le porte-parole de ce soir connu sous le nom de l'ancien Dieudonné Paul, c'est le premier ancien de l'église de Belgrade. Eh bien, c'est lui qui va nous entretenir ce soir. On a demandé pour nous prier dans le cœur pour que le Saint-Esprit soit capable d'emparer, afin que tout ça va dire capable d'attirer nous tout près de Dieu. Mais juste avant de se déplacer, nous allons chanter sous la direction de l'ancien François, le numéro 520. Le nom de Jésus. Toujours.
jour viendra, mon solennel, où toute voix à ton appel dira sur terre et dans le ciel, précieux nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Disons amen. Gloire à Dieu. Merci, frère James François, pour façon pour aider nous à soyer et internautio à louer notre Dieu. C'est lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Frères et sœurs, tout dépend de côté horizon. Déplacez-nous, mettez-nous, séparez-nous. Nous saluons dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Nous disons bonjour, bonsoir. C'est un privilège, d'une façon spéciale pour nous asseoir, pour nous ensemble avoir, pour nous continuer à bailler bon Dieu. Louange que lui-même seul mérite. Ça fait déjà 15 jours depuis nous là ensemble. Nous avons remercié notre Dieu pour merveille qui est explorée dans la vie. Nous avons un grand pile si après tout ça passé, dans mi-temps année 2020, ça. Nous là encore, je dis à vie. Nous t'avons manqué en pile. Si nous pas t'avons levé voir nous ensemble, pour nous dire béni soit l'Éternel qui a su nous supporter, nous protéger, nous garder, nous surveiller, nous soutenir et nous permettre d'être en vie jusqu'à date. Malgré tout ce qui est passé, malgré la pandémie qui fait rage, malgré les autres maladies, malgré la mort qui passait côté en pile, fouet à ce nous y aller. Mais nous pas plus bon passé, yo. Bien peut-être nous faire bagarre qui plus grave, qui plus mal passé devant Dieu contre Dieu. Mais il était exercé envers nous chaque une grâce imméritée. Et ce soir, nous la bien vivons en ce dernier dimanche. Nous gagnons nous le souffle de vie. Et nous bénissons ensemble ce soir le nom du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit loué, que le nom de Dieu soit exalté d'éternité en éternité. Merci encore une fois pour disposition, pour que vous-même vous mettez disponible, disposé pour adorer ensemble avec nous le Seigneur en ce jour. Ou même qui sur plateforme YouTube là, ou même qui avec nous sur plateforme Zoom là. Nous mettez-vous ensemble avec l'Église Morija et Maïs. Encore une fois, nous disons bonne participation. À ce soir, nous n'avons pas un message proprement dit, mais nous allons lire ensemble dans le même sens-là le livre, nous allons considérer à ce soir le troisième chapitre du livre de Ruth. Ruth, chapitre 3. Et nous considérons les versets 1 à 11. Nous ne voulons pas oublier le thème principal qui a débattu durant tout le week-end.
durant tout jour ça yo jusqu'à depuis le 13 jusqu'au 31. C'est les yeux sur le maître, avançons par la foi. Depuis Dieu, nous sommes bon Dieu, nous mettons avancer par peur rien. Avancer, nous avons remporté la victoire. C'est sous même thème ça, nous appelons ensemble dans 8, chapitre 3, les versets 1 à 11. Nous lisons ensemble. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as fait, ce que tu as à faire. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Nous sommes au verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. » Et nous sommes au verset 11, verset qui peut intéresser nous à soi. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Mais même version français courant, il m'a lu pour verset 11 là, dans Bible français courant. Mais ça le dit, maintenant ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes. Car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Dans le verset ça, nous avons tiré un sous-titre pour nous dire fixer les yeux sur le maître, bien sûr Jésus, pour être un être extraordinaire. Baissons la tête, mais nous prions le Seigneur. Remercier sois-tu notre Seigneur, notre Dieu, pour le privilège que tu nous donnes de traverser une agréable journée sous ta divine protection. Merci pour cette année traversée à l'ombre de tes ailes. Merci pour le privilège que tu nous donnes de saluer la soirée, bien sûr, du second jour de cette semaine, mais bien sûr, du dimanche. Merci de nous rassembler ensemble ce soir pour parler, pour prier, pour louer, pour magnifier ton nom. Visite-nous en ce soir. Ouvre-nous de la toute-puissance de ton Saint-Esprit. Parle toi-même à nos cœurs. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen.
Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Nous allons ramener nos souliers dans le texte là, femme de valeur. Dans le livre de ça, nous sommes là, nous lisons en pile belle histoire, en appli livre là. Nous lisons en pile belle histoire de conversation, en pile belle histoire de courage, en pile histoire de détermination, de royauté et de fidélité. L'enapril, nous trouvons là-dedans compassion, l'amour que Naomi gagne pour belle-fille, Ruth, et l'amour que belle-fille aussi, Ruth, témoigne pour Naomi. Yon lot inspire nous par mon capli, inspire mon capli du sal. Moi-même, je lis le livre plusieurs fois. Même j'en avoue, nous sommes souvent attachés à Madame Sarah, Ruth et Belmel, qui sont des gens qui sont attachés, yon la lot et attachés à mon Dieu. D'ailleurs, Ruth signifie amitié. Récemment, Dieu, pendant que m'a pris le vla, Dieu fait me trouver un groupe de mots. Dans le livre là, peut-être qu'il déconne passer me sur Abazul. Et groupe de mots ça, c'est femme de valeur. Du second dit, femme vertueuse. L'histoire ça que nous n'a lié n'a parlé de l'histoire. Son histoire passée environ à l'époque Israël t'a gouverné par des juges. Il y a une période qui allait de 1400 à 1050 avant Jésus-Christ. Israël t'est sorti en Égypte, j'en connais l'an. Il passait 40 années dans le désert. Il t'a conquéri la terre promise que bon Dieu t'a offert à papa. À ses pères anciens, Abraham, Isaac, Jacob. C'était, malgré qu'ils étaient entrés dans la terre promise, mais c'est une période de décadence pour eux, parce que en pile fois, Israël oublié côté de sorti. Et pour bon Dieu qui remet en pile, mène à l'ordre, il est obligé de faire l'autre peuple battre eux. Ni faire calamité tomber sur eux, ni faire grand goût frapper eux, juste pour capable retourner à lui-même. Parce que vision, bon Dieu, ce n'est pas ni pour moi-même, ni pour moi-même perdu, mais c'est pour nous capables de sauver. C'est ça qui permet que Mounsayo, que nous citons là, Ruth, c'est ça qui te pousse une famille israélite. Yon famille qui était à Canaan, t'es obligé de quitter le pays à cause de grand goût qui a rendu dans le pays Moab. Moab, pardon. Elimelech avec Maril, Naomi, avec Madame, pardon, Naomi, ses deux enfants, Mal, Maclon et Kiljon, ils ont quitté le pays. Ils ont obligé à vivre à Moab pour sauver la vie. Et pendant arriver là, il y a une grosse décadence qui continue à passer, qui a frappé. La première catastrophe qui frappe, c'est que Elimelech mourut. Monsieur était avec maman. Et plus tard, il a tout démarré avec des filles, Orpa et Ruth. Catastrophe là continue à frapper et tous les messieurs viennent mourir après et laisser maman yo avec des belles filles. Jean nous comprend l'histoire
Rivez-on leur que Naomi pour information que la Kaili, bon Dieu visite pays a gain manger et li décide de retourner la Kaili. Malgré insistance li, puis conseiller belle-fille, puis yo tourné, puis yo quitté pour l'aller, mais Ruth lui-même il te refuse. Il refuse de quitter et li suivre jusqu'à la ville d'origine. Ruth dit pas empêcher, pas pousser m'aller. Côté où y est là ma pied, père pour va père moi. Manger ou manger c'est lui qui va manger. Dieu ou yo c'est yo qui va c'est lui qui va Dieu. Et comme ça Ruth retourne ensemble avec Naomi. Et rivé à Moab, Ruth commence le travail et c'est là que nous parlons tout vu que li pral joine Boaz et c'est Boaz qui pral faire belle déclaration ça. Tout moun, tout pays dim qui est souillé, tu es une femme de valeur. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, assoya nous utiliser texte ça pour nous montrer nous les nous étaient attachés à bon Dieu, nous capables de devenir des hommes et des femmes extraordinaires. Confession de Ruth qui mentionnait plus haut, il gagne en pile égard, il montait clairement que bon qui était bail toute lui-même à toute ville à bon Dieu. De part, il choisit puis renoncer à Dieu Moabitio pour attacher à l'Éternel et faire de l'Éternel bon Dieu. Moi-même avant, nous-mêmes qui écoutons nous sur net là, les yeux nous fixés sur bon Dieu, gagner bagaille pour nous faire. Si nous fixons les yeux nous sur bon Dieu, alors que n'a épapier Dieu nous passer par là, nous pas faire un nous pas dévider nous pas faire rien, n'a pas retourner quand même. D'autre part, Ruth te fait un vœu puis attaché au nom de l'Éternel, bon Dieu Israël là, il dit bon Dieu là, c'est lui qui va bon Dieu. Attachement lié à bon Dieu te mettre en relief plus tard Boaz qui reconnaît que Ruth est venu pour abriter en bas elle bon Dieu, le Dieu d'Israël. Il renonce à toute bagaille. Il renonce à bon Dieu lui. Il renonce à parents lui. Il renonce à ça qu'il te posséder. Il suit bon Dieu, il fixe ses yeux sur Naomi. Non seulement il était une femme qui travaille, mais il était lié toute bagaille. Il était bas toute bagaille d'eau, puis il fixe ses yeux sur bon Dieu. Assoya, c'est devoir nous même avant pour nous fixer les yeux sur bon Dieu, parce que quand nous fixons les yeux sur bon Dieu va changer vie nous. En nous, il est facile pour nous quitter la distraction monde là. Souci la vie chaque jour, capter attention. C'est un bail qui facile. Jodia, j'en ai tant hier. D'après ça, nous avons passé. En pile fois, je nous étais sur le monde qui a mouru. Je nous étais sous pandémie. Je nous bagaille ça a capté attention. Je nous étais sous kidnapping, sous ça qu'a fait à travers le monde. Ça a capté attention, c'est facile. Mais si nous ouvri à leur esprit nous à ça qui attire attention nous n'a oublié ça côté yeux nous de fixer nous capable choisir de garder les yeux nous fixés sur Jésus quelle que soit distraction de la vie qui entoure nous si nous voulons quelle que soit ça qui passe à travers nous capable laisser les yeux nous fixer sur Jésus si nous bien volonté voyez lorsque nous fixons les yeux nous sur Jésus
nous supposons ouvrir nous à lui-même complètement. Parce que bon Dieu que nous fixons nous sur lui, son bon Dieu qui est capable de guérir. À ce moment-là, nous avons bonne nouvelle ça pour vous. Même si vous êtes malade, même si docteur dit que vous pas guéri, même si docteur dit que ça finit pour vous, fixez vous sur Jésus. Parce que Jésus, c'est le Dieu guérisseur. Il est le maître, il est le médecin par excellence. Vous n'avez pas besoin de peur en rien. Il est capable de délivrer. Vous êtes capable de fixer les yeux sur Jésus, même si vous êtes dans le monde là bouleversé. Parce que notre Dieu, sur qui vous fixez, il est le Dieu de la paix. Il est capable de boire la paix. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Père éternel, notre Sauveur. Il est capable de faire tout de bagaille. Nous n'avons pas besoin de peur en rien. Fixons nos yeux sur Jésus. Qui ça nous besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est la paix? Oui, nous besoin la paix. Personne pas qu'à nous la paix. Les hommes parlent de paix. Ils signent d'être traités de paix. Certes, mais au lieu de paix, chaque jour, ils signent ça. Au contraire, c'est la guerre. Les hommes ont bye, parler de guérison, yo, venez avec vaccin pour pandémie. Est-ce que maladie a fini? Jamais. Si nous avons besoin de guérison, ce n'est pas aux hommes pour nous fixer, mais c'est fixons nos yeux sur Jésus. Fixons nos yeux sur Jésus, parce que Jésus est capable de nous donner une sur-retraite. Le fait que nous fixons nos yeux sur Jésus, il exige que nous renoncions au renoncement. Même Jean, oui, te faire, il te renoncer à toute bagaille, il renoncer à ses dieux, à ses parents, il fixe ses yeux sur Naomi. Et puis devant, on parle que Boaz, qui se délit que Jésus passait, va déclarer à Ruth que lui-même son femme de grande valeur. Songez que bon Dieu nous servons, bon Dieu à qui nous fixons nos yeux, c'est la source de la vie. Là, nous fixons nos yeux nous, sur Jésus, nous pas besoin de perdre en rien, parce qu'il est la source de la vie. C'est lui-même qui ôte la foi à nous, et c'est lui-même qui porte perfection pour nous. Quitte les yeux nous fixés sur lui, et qui permettre que vie nous, capable augmenter, puis nous capable grandir afin que nous capable saisir la victoire qui est préparée pour nous. Bon Dieu, avant d'aller, il fait nous une promesse qu'il a venu chercher nous. L'aller, il a préparé une place pour même pour avoir. Maintenant, victoire ça pour nous remporter, pour nous saluer son retour, il faut qu'il nous laisse yeux nous fixer sur Jésus. Frères et sœurs, ce soir, devoir-nous, c'est quitter les yeux nous fixés sur Jésus. Parce que sans lui-même, nous pas qu'à faire rien. Sans lui-même, nous pas capable de prospérer. Sans lui-même, nous pas capable de grandir. C'est quitter les yeux nous fixés sur Jésus. La Bible. Le Seigneur est capable d'intervenir dans la vie nous avec force, avec puissance et autorité. Les nous laissent ses genoux fixés sur lui. Il est capable de faire toute bagaille pour nous et rien n'est pas impossible à notre Dieu. Sur lui, nous fixons nos yeux. Jésus a accompli de grandes choses dans la vie, nous, des mondes qui tournaient vers lui-même. Pardon. Il est capable de guérir cœur brisé nous. Il est capable de délivrer nous de tout ça qui a dominé nous. Il est capable de libérer nous des chaînes du péché. Là nous venons y aller, bon Dieu qui a fait tout ça pour nous. Nous sommes sans Jésus, nous c'est des morts spirituels. Nous pas vaut rien. Mais quand nous nous laissons fixer par lui, quand nos yeux restent attachés à lui, nous allons devenir des vivants. Et des vivants pour la vie éternelle. Frères et sœurs, ce soir,
Bon Dieu, remène-nous. Dit apprends-nous à pour nous quitter les yeux nous fixés sur lui. Nous gagnons regard nous fixer parfois sur un monde ou bien sur quelque bagaille. Quand toute bagaille allait mal, même monde ça que les yeux nous étaient fixés sur lui, il virait de bas parce qu'il pas qu'à faire rien pour nous. Pourtant, notre Dieu, quand tout va mal, quand les épreuves et les souffrances a ravagé nous, il est là. Même Jean était avec les disciples dans la tempête là. Parce que les autres ont fait tout ça au capable pour propre corps, ils ont enfoncé. Mais quand Dieu, quand vous songez, bon Dieu, Jésus, vous fixez les yeux sur lui. Maintenant, la tempête là est séchée. La Bible dit nous que deux hommes, ils ont construit caillou sous, il y a tout un travail pour construire des maisons. Gain, il y a un qui construit sous sable, mais sous l'autre bagaille, sous l'autre problème, sous l'autre monde, alors que gain, il y a un qui construit sous les rocs, qui est Jésus. L'avant passé, l'eau coulée, tempête, caillia, pas de cacraser parce que il bâti sous les rocs. Frères et sœurs, assoyez devant nous, si nous voulons remporter la victoire, même Jean avec Ruth, si nous voulons devenir une grande nation, même Jean Ruth, t'es laissé les Moabites, laissé le pays des Moabites pour venir en Israël, un peuple qu'il pas connaît, une nation qu'il peut cohabiter avec. Merci. Maintenant, il était attaché à Naomi parce que, et puisque tes yeux étaient fixés sur Naomi, il est devenu une femme extraordinaire. À soi, bam gen en pile bagay qui va dévier les yeux sur Jésus. Quitte me citer quelques pour vous. Il y a un bagay pour nous faire attention pendant les yeux nous fixés sur Jésus, pendant la marche avec elle. Il y a un bagaille qui est capable de faire nous pivoter, c'est l'orgueil. Salomon déclarait dans Proverbe 29, verset 23, l'orgueil d'un homme est abaissé, mais moun qui aime obtenir la gloire. Si nous voulons rester fixés sur Jésus, si nous voulons rester marcher avec Jésus, fait nous faire attention à orgueil parce que orgueil qui a fait nous tomber dans falaise immédiat. Songez, Pierre, sous l'eau, pendant de voir Jésus sous l'eau, Jésus dit avancez, viens joindre moi. Il commençait à avancer parce que Dieu était fixé sur Jésus. Mais lorsque il commençait à sentir trop important, il commençait à sentir que c'est lui seul qui est capable de faire ça, il enfoncé. Frères et sœurs, à soi, devoir nous, c'est plier nous, c'est humilier nous dans la main de Jésus, laisser nous fixer sur Jésus, qui a bonne nos directions, qui a marché devant nous, côté le mettre pied, c'est là nous mettre pied par nous, et comme ça, nous avons remporté la victoire. Il y a un bagage pour nous éviter pendant la sur Jésus. C'est l'orgueil. Deuxième bagaille, nous t'a déconseillé, non? À soi, il y a un mauvais pas nous capable de faire, qui va faire nous enfoncer pendant la suite de Jésus, c'est ignorance. David déclarait dans Psaume 19, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si moi-même avant, nous pas prends Bible, nous pas étudier ensemble la parole de Dieu, nous plier sous propre connaissance, nous n'avons enfoncé. Parce que sans la parole de Dieu, nous pas cassé Jésus. Parce que toute boussole là, c'est dans la Bible alliée. C'est là que mon Dieu placé. Boussole là, qui va guider nous pour nous suivre les pas à pas jusqu'à ce que nous arrivions sur la mer de verre, côté de placer rendez-vous avec nous, puis mener nous dans le ciel. Suivez-nous, étudiez la Bible, étudiez
qui détide nous, ou nous-mêmes qui écoutons nous, qui regardons nous sur net là. Prends Bible nous, étudiez parole, bon Dieu, jour et nuit. Comme ça, bon Dieu a dicté nous, puisque il nous voulait, n'a pas cherché tout bon même j'avais avec lui. Il a dicté nous qui côté pour nous faire. Même Jean était dicté oui, vers Boaz. Il a dicté nous qui côté pour nous faire. Qui pas pour nous faire pour nous sauver. Une fois que nous crier, nous inviter l'Esprit Saint dans la vie, nous étudier ensemble, nous étudier parole qui est la Bible. Dieu qui veut nous chercher, Dieu qui veut que nous voulons suivre lui. Il a dicté nous qui côté pour nous mettre pied. Et comme ça, nous arrivons côté de nous hier afin que l'Esprit vienne pour ni moi-même, ni nous-mêmes, nous pas perdu, mais pour nous avoir une chance d'acclamer comme roi des rois et sauveur des sauveurs. Il y a un autre faux pas que nous sommes capables de faire sur la route-là. Pendant que nous suivons Jésus, pendant que nous sommes fixés sur Jésus, il y a un faux pas que nous avons fait. Nous avons invité nous à éviter à soir, c'est le découragement. En pile fois, nous sommes sur la route-là. Nous dans la bonne direction, mais nous frappés par le découragement. Parfois, nous avons route trop longue. Parfois, maladie, grand goût, tribulation, côté découragement sur route nous. Et nous lisons dans Job 22, verset 28. Job déclaré, un serviteur de Dieu doit avant toute chose déterminer et rempli de courage. Avant toute chose, quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, il faut être déterminé et rempli de courage. Devrons-nous, il y a des gens qui sont sur route pour porter nous au découragement. Il y a des gens qui parlent de mauvaises nouvelles pour faire nous faire bac sur route là, pour faire nous retirer les yeux nous côté hier. Mais bagay sa yo, nous inviter nous pour pas nous laisser nous prendre là-dedans. Parce que un bon serviteur, bon Dieu, c'est quelqu'un qui est déterminé et rempli de courage. Voyez Ruth était déterminé malgré or pas décidé de retourner. Malgré Naomi insister pour retourner. Il dit, ne m'empresse pas de retourner. Koto va mourir, c'est l'âme va enterrer. Dieu va Dieu, peuple ou va peuple moi. Manger ou manger, c'est lui m'a mangé. Remarquez, Ruth, il est déterminé, il a mis le courage. En rien, pas de café, il ne faut pas. Mais même avant, si nous voulons, Dieu nous rester attachés à Jésus, il faut que nous armions nous de courage. Parce que quand pile bon, qui a soufflé dehors, qui a ramené nous dehors, qui a fait pas nous glisser sur route là. Nous-mêmes, frères et sœurs qui sont nés là, qui a une décision pour nous servir Jésus, décision pour nous marcher avec elle, même gens avec lui. Veillez, priez, parce que tentateur a brodé autour de nous, l'a cherché qui est pour dévorer. Et il y a un moyen l'a cherché, c'est le découragement. Nous-mêmes qui fait partie de l'Église, il faut nous suivre. Il faut nous suivre parce que Diabla a rôdé autour de nous. La batte pour faire pied nous glisser sur route là. La dévié yeux nous. Et on a clé, on a chef-d'œuvre, c'est le découragement. Priez, veillez afin que découragement par porter nous aller, découragement par faire yeux nous virer ni à droite ni à gauche, mais pour que yeux nous, pour que nous déterminions, parce que vision nous, c'est le ciel. C'est pour nous dire à soi, quand tu as sauvé, fais-nous sauver quand même. Tremblement de terre, fais-nous sauver. Pandémie, fais-nous sauver. Quel que soit ça qui passe sur terre, quel que soit ça dans la vie, ça n'attendait. Laissez-nous nous fixer sur Jésus. Pas quitter, rien décourager nous, mais marchons vers le ciel, car au ciel, ce sera la victoire. Et dernier faux pas, nous ne pouvons pas souhaiter que nous prenions là-dedans. C'est les mauvais comparables. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, nous disons ceci.
Paul déclare, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Des amis pour nous faire, nous devons bien avec tout le monde, mais faire nous veiller qui type des amis nous fréquenter. Parce que mauvaises compagnies sont capables de faire nous dévier sur route là. Alors que Dieu nous fixé sur Jésus, alors que, remarquez, c'est ça pour te témoigner pour Naomi, pour, pardon, pour Ruth. Dis-y, Ruth, pour te cacher, jeune garçon, que tu es pauvre, que tu es riche, c'est où tu es cherché. Peut-être, Ruth, pas toi là, parce que mon sa, tu es capable de faire un mauvais conseil. Je dis à Jésus, pas t'as sorti dans la famille, ça. Maintenant, moi-même avant, il faut que pendant que Dieu nous était sur Jésus, il faut nous surveiller. Quels sont les nos compagnons? Qui moun qui accompagne nous? Qui moun a côtoyé? Qui moun qui mène en main avec nous? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous sommes capables de prendre de bonnes décisions, certes, pour nous suivre Jésus. Nous sommes capables de prendre de bonnes décisions pour nous marcher avec elles. Mais si nous pas surveiller qui type de compagnie n'a fait, nous pas dévier nous sur là, nous pas faire nous faire faux pas. À soir ou même qui sonnet là, qui étudie la Bible, qui cherche direction Jésus. Qui est-ce pour prendre comme ami? Est-ce que c'est monde qui étudie Bible là? Est-ce que c'est monde qui cherche Jésus? Est-ce que c'est monde qui remet Jésus pour prendre comme ami qui aide à trouver Jésus, trouver route là que Jésus préparé pour vous. Mais si c'est l'autre monde ou prend cap dévier ou cap détruire tête ou la forfait pour ça. Et nous lisons dans Proverbe 13 verset 20. Il dit celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés sont du mal. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, si nous voulons être sur route là, fais-nous choisir de bonnes personnes, de bons amis pour nous travailler ensemble, pour nous étudier ensemble, pour aider nous à rester sur route là jusqu'à ce que Jésus revienne. Maintenant, frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous soyons au ciel avec lui très bientôt. Dieu veut que nous retirer nous dans terre péché, dans terre maudite, ça que nous y est. Dieu a préparé pour retirer nous dans tribulation, dans angoisse que nous y est. Mais fais-nous quitter les yeux nous fixés sur nous. Si nous, même Jean avec Naomi, m'a kon qui direction ou pas, m'a kon souvle que mon Dieu présente. Félicitations ça pour assoya. Di wè yon moun merveilleux, yon extraordinaire. Même Jean Boraz te dit pour Ruth. Bon Dieu veut dire pour moi-même avoir assoya. Mais pour le dire, fais nous rester fixe yeux nous, laisse yeux nous fixer sur. Fais nous marcher pas à pas avec lui parce que il voulait délivrer nous, il voulait libérer nous de la boue du péché dans lequel nous trouvons nous. Il veut retirer nous dans notre la vie, ça, qui nous vivons aujourd'hui. Il veut retirer nous de cette situation mauvaise. Il veut retirer nous dans la pandémie, là-dedans que nous trouvons nous. La pandémie, ça a passé de merde dans l'autre pandémie. Mais le monde qui a retiré nous dans la dernière pandémie, pas bien en quoi, c'est Jésus de Nazareth. Et pour retirer nous, faire que Dieu nous rete sous lui. Et pour que nous pas faire faux pas, nous ta faire éviter orgueilleux, faire éviter, faire rentrer nous tout bon dans la parole de Dieu, faire nous éviter où l'autre monde pas côté l'autre bagaille pas côté nous décourager pour nous gain détermination, pour nous gain détermination pour nous aller au ciel. Et moi même avant quand t'as sauvé à souhait en d'arrêt, mon Dieu ensemble avec, quand t'as sauvé, fais nous sauver. Jean que auteur écrit dans le numéro 526 là,
Il dit, fixe les yeux sur Jésus. Fixe les yeux sur le maître. Jean dit dans le numéro 526. Le dit, quand écrasé courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir guette, te livrant au pire frayeur, fixe les yeux sur les maîtres. Bien, son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, amis, visiteurs, nous-mêmes qui sommes plateforme à soya, c'est Dieu qui déclare dans sa parole. Tout le monde qui par contre lui, c'est pour lui. Sous la soya, c'est parce qu'on décide avec elle dans le ciel. Mais pour être au ciel avec lui, il faut laisser vos regards sur lui et sur lui seul. Et pas laisser en rien ébranler nos cette terre. À nous quitter, nous guider par Jésus. Qui va déraciner en nous l'orgueil, qui va aider nous à étudier chaque jour sa parole, qui va aider nous à rester à déterminer pour que le découragement va faire nous dévier sur route là, et pour que nous fréquenter de bons compagnons, de bons amis, monde qui a étudié la Bible, monde qui est dans bonne direction, en péchant ensemble, pour marcher ensemble. Et quand Jésus reviendra très bientôt, moi-même avant, nous va acclamer comme roi et sauveur. Et il dira de même que Boaz t'a dit pour vous, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et ceci nous va heureux, non pour un jour, non pour deux jours, pour un mois, pour une année, mais nous serons heureux pour les temps. Et pour l'éternité, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Non, bénis le nom de Dieu pour ce beau message porté par son serviteur, l'ancien Dieudonné Paul, qui laisse le guider sous l'influence du Saint-Esprit. Non, dis-moi merci pour ce message et non, quoi que. Chaque monde qui t'attendait, il a vraiment bénéficié. Et nous disons merci d'avoir été à l'écoute. Et nous espérons que bon Dieu est capable de bénir nous de toutes sortes de bénédictions. Mais ce soir, nous avons fait un bagage vraiment spécial. Nous avons fait, et le pasteur a fait une prière spéciale pour nous, les membres d'église de Morija et de Maïs, avant de terminer le service-là. Nous allons chanter dans le numéro 526, la première et la dernière strophe. Et après ça, on a demandé à Pasteur Jesse pour faire une prière spéciale pour les deux églises. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs. C'est 526. Elder James a conduit pour nous. Et après quoi, on a une prière spéciale pour nous, les membres d'église, pour les yeux non capables pour être fixés sur le maître, et cela jusqu'à son retour. Vivifié pour lui-même.
les abats. Quand ta faiblesse te courage, quand ton service pour Jésus, quand la du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le maître, bien sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être. Vivifié pour lui, mes apports. Amen. Nous allons prier avec Pasteur Jesse. Nous prier. Papa, nous qui dans le ciel là, encore une fois, nous couper bien bas devant Majesté Auguste pour nous capables faire connaître qui gens que nous aimons, qui gens que nous adorons et qui gens que nous bénissons ton Saint grand nom pour tout bien faire ou yo. À souhait à Seigneur, encore une fois, ou rappelez-nous, laissez-nous fixer les yeux nous sur vous, et bien, nous pas tomber dans piège ennemi en temps pour nous. Laissez-nous fixer les yeux nous sur vous, Seigneur, pour garantir nous que vous êtes ensemble avec nous. Nous levons devant spécialement, Seigneur, deux églises, Emmaüs et Morija. Nous disons merci, Papa, pour chaque grain de membre qui fait partie de l'Église. Nous disons merci, Seigneur, pour la vie que vous protégez, pour soin que vous apprenez, et pour victoire que vous avez, guérison que vous avez, et protection, Seigneur, que vous continuez à jouir de lui-même. Nous demandons de façon spéciale, Papa, pour capable bénir chaque grain de monde qui est dans l'église, ça, yo, pour capable répondre à besoin, yo, pour capable aller bon côté, yo, pour faire yo sentir que yo pas pour continuer, yo pas abandonné et que Jésus toujours ensemble avec yo. Et que dans l'expérience que yo a fait, dans ça que yo a subi pendant année ça, pour yo connaître que l'Éternel règne encore, lit toujours sous trône et c'est lui-même qui gagne contrôle. M'a demandé bénédiction d'une façon spéciale pour les dirigeants. Une bénédiction spéciale pour tout chef département. Une bénédiction spéciale pour anciens. M'a demandé au Seigneur, s'il vous plaît, répondre à besoin. Prends soin, Seigneur. Et ça qui pas gain travail, mettez qui choy nan main yo ba yo travail. Ça qui nan difficulté nan mariage yo, s'il vous plaît, pote la paix, pote l'amour, pote être ensemble, pote unité, et fait que Seigneur yo capable marcher. Ça qui gain ti moun qui troublé, ti moun qui pas écouter, ti moun Seigneur qui tombé nan problème, m'ap mando délivrance, m'ap mando pour déléguer zanjou nan ciel lan, pour al secouru, pour al poter la paix, pour al poter direction. C'est ou même qui dit ou ap gen zyo sou nou, ou ap montre nou voie nou dwe suiv yo. Et si ou fait ça, Seigneur, nou konnen que n'ap rive jusqu'au bout, parce que ou promet nou ou ap fait route lan ensemble avec nous. Bénis-nous du haut des cieux. Bénis ancien Eugène Louis-Pierre, ancien François, sœur Marilyn Raymond, ancien Dieudonné et sa famille. Et toute famille qui vous représente sous Zoom et ainsi sous plateforme YouTube. Là. N'a demandé au Seigneur pour volonté capable de faire dans la vie. Nous. Et à la fin, n'a toujours pris précaution pour une bonne gloire, honneur que vous-même seul méritez. Exaucer prière, nos bon papa, à parler avec peuple ou en continuer bénir davantage, continuer prendre soin et protéger. Et Jésus de Nazareth, lorsqu'il ou retourne, nous va content, nous va aller ensemble avec vous. Et c'est comme ça, Seigneur, nous allons rencontrer dans les airs. Nous remercions, nous mandons pour être avec nous au cours de la nuit.
pour demain pour nous retourner encore. Nous prions concernant Jésus qui vit, qui règne et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Allez en paix. Merci, allez en paix et bonne nuit à chacun de vous. OK, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen.